Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre un plan inspiré par Eric Clapton, période crime, donc entre 1966 et 1968. Le morceau sur lequel j'ai basé ce petit plan s'appelle Born Under a Bad Sign et c'est une reprise du gigantesque Albert King. On y va tout de suite. On est dans la tonalité de sol mineur et on va déjà voir la région du manche utilisée par Clapton. Ça, c'est la première partie, et puis ensuite, il y a toute une partie transversale. Donc si je fais un bloc avec tout ça, voilà, là, c'est la position de basse, une position qu'on va rencontrer très fréquemment en blues. Et on commence avec un bend, ici. Un bend assez progressif. Et après, un plan typique de Clapton. Voilà, il y a plusieurs effets de jeu. D'abord le bend. Et puis après, on va tourner autour d'une note. Ici, vous remarquez qu'il y a un bend d'un quart de ton très progressif. Et ensuite, une déboulonnade de notes typiquement claptonesque. Alors pensez bien à garder l'index ici à la dixième case pour faire l'effet de pull-off. Ça c'est peut-être le passage un peu délicat parce qu'il faut bien glisser la main. Et après ça s'est suivi d'un pull-off. À nouveau un bend d'un quart de ton, ça c'est vraiment typique du blues. Et puis ensuite, pour conclure ce petit plan-là, on va retrouver notre fameuse position de pinta. On est en sol, je vous rappelle, donc ça se passe ici. Et là, on va faire ce plan typique du blues. Avec tierce mineure, tierce majeure. On n'hésite pas à jouer ici les deux notes en même temps. Et puis après, un petit glissé, on va aller récupérer la note tonique, le sol, mais sur la corde de si. Et bien voilà les amis pour ce petit plan blues inspiré par Eric Clapton, j'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle au passage que vous pouvez télécharger la partition et le playback pour vous entraîner à la maison. Ça se passe sur le Tipeee. Et puis moi je vous donne rendez-vous très vite pour un autre plan inspiré par Sir Eric Clapton. Ciao.